Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Donc pour la petite histoire, j'ai eu 20 ans le 20 juin, donc je remercie toutes celles qui m'ont souhaité mon anniversaire sur Instagram, ça m'a fait vraiment trop plaisir. En cadeau d'anniversaire en fait, si vous le savez, nous partons à Londres, donc c'était un petit peu mon cadeau d'anniversaire en fait. J'avais demandé de l'argent pour pouvoir nous faire plaisir à Londres. Mais malgré l'argent que j'ai eu pour Londres, j'ai eu quand même quelques petits cadeaux, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous les montrer. Donc pour commencer, j'ai eu cette sublime petite lanterne de chez Ikea. Donc comme vous le savez, moi et les lanternes c'est une grande histoire d'amour, et à chaque fois que j'allais à Ikea, je la voulais, je me suis dit elle est trop mignonne etc, et mon chéri s'en est rappelé. Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment trop mignonne. Et à l'intérieur j'ai eu une petite bougie qui est vraiment super jolie. Et elle sent la rose, donc elle sent trop bon, voilà, c'est vraiment un délice. Vraiment je m'y attendais pas à tous ces cadeaux, je pensais juste avoir l'argent. Et c'est vraiment des super surprises. Donc j'avais mangé avec ma maman l'autre jour. Et voilà, elle m'a sorti un petit sac en me disant tiens joyeux anniversaire, c'est trop mignon, ça m'a fait vraiment super plaisir, je m'y attendais pas du tout. Et donc elle m'a offert une Yankee Candle, elle sait que je suis complètement fan des Yankee Candle, elle-même elle adore les bougies, donc de toute façon c'est une passion qu'on a en commun. Et comme elle l'a choisie elle-même, je l'aime d'autant plus cette odeur, donc c'est la rose véritable. Vous avez vu ce petit nœud qu'elle m'a fait en plus, c'est vraiment trop mignon. Limite j'ai du mal à enlever le nœud parce que je trouve ça trop joli, trop sympa comme attention. Et je suis juste trop contente de l'avoir eu comme cadeau. Depuis que je l'ai eu, je fais que de la faire brûler. En plus elle m'a pris la grande jarre, donc je suis vraiment super contente. Ensuite j'ai eu ce magnifique chandelier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve juste sublime. D'habitude dans les chandeliers il y a toujours quelque chose qui me plaît pas, et celui-là il est simple. Il est très soft, il est blanc pur, il est vraiment super joli. Avec des petites bougies comme ceci violettes. Et dans ma salle, je trouve que ça ressort super bien le violet, comme tout est un peu blanc, blanc gris taupe etc. Je trouve que ça ressort super bien, j'en suis vraiment ravie. De toute façon mon chéri, tout ce qu'il m'offre, il ne peut pas se tromper, il me connaît tellement par cœur, il sait vraiment mes goûts. Je sais où est-ce qu'il l'a pris, parce que je l'avais repéré quelques jours plus tôt, et au final il m'a fait la surprise de me le prendre. Et ça, il vient de la foire fouille. Et sur la table c'est vraiment un objet de décoration magnifique, pour se faire des petits dîners aux chandelles comme ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Ensuite j'ai encore eu une petite lanterne, mais vraiment trop chou celle-ci. Donc la rose, comme vous avez pu le voir, je la mets dans la chambre parce que c'est un peu plus cosy, hein, un petit peu plus girly etc. Et celle-ci je la mets dans la salle, mais encore une fois je vous dis ça, mais je change tout le temps, donc ça se trouve je vais inverser, celle-ci va se retrouver dans la chambre, donc bref. Mais celle-ci je l'ai mise sur ma table de salon avec mon petit plateau à bougies, et je trouve ça juste magnifique. Encore une fois elle vient de chez Ikea et je la trouve voilà super bien faite. Et donc dedans j'ai mis une petite bougie Yankee Candle, les mini, et ça coule vraiment super bien. Ensuite j'ai eu un superbe cadre qui vient lui aussi de chez Ikea, donc vous voyez que Ikea et moi c'est une grande histoire d'amour. C'est celui-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve magnifique. Je trouve qu'il ressemble énormément à l'esprit que a donné Serena van der Woodson, donc dans sa chambre, avec les petits papillons comme ça. Donc c'est des petits papillons en relief, et derrière il y a du rose. Donc voilà, je trouve que ça ressort super bien dans une chambre. Moi je l'ai mis juste à côté de ma lampe et je trouve que ça fait vraiment super bien. Et un cadeau auquel je ne m'attendais absolument pas et qui m'a vraiment fait trop plaisir, c'est de la part de mon chéri encore une fois, et il m'a offert un petit rangement à maquillage. Si vous avez vu mon room tour, vous avez vu que j'avais un tout petit meuble avec trois tiroirs pour ranger un peu mon maquillage, et du coup c'était pas super ordonné, c'était pas super joli non plus. Et du coup il m'a fait la surprise, parce que je m'y attendais vraiment pas du tout, de m'offrir un petit meuble à maquillage. Donc il s'appelle le Alex de chez Ikea, et c'est un petit modèle parce qu'il y a le grand et il y a le petit. Il m'a pris le petit. Je m'attendais vraiment pas à tous ces cadeaux, je suis vraiment tellement contente. Déjà qu'il me passe de l'argent pour que je puisse me faire plaisir et me faire des cadeaux à Londres, c'est déjà énorme. Et en plus d'avoir eu tous ces cadeaux, bah, je suis vraiment super heureuse. Je pense que ça peut se voir, je vais arrêter, mais voilà, je suis vraiment super contente. De toute façon, donc je vous ai dit, je pense à peu près tous les cadeaux d'où ils venaient, de leur provenance, mais au cas où je vous remettrai tout ça en barre d'infos d'où ils viennent etc. Et je voulais également vous remercier mes 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, parce qu'on vient de passer la barre des 3000 abonnés sur ma chaîne. Je suis vraiment super contente, je vous remercie de tous vos retours, parce que le plus important pour moi c'est vraiment vos j'aime, vos commentaires, votre retour sur mes vidéos, tout simplement, de savoir, de me dire ce que vous en pensez, de me dire qu'on parle des produits ensemble comme on le fait beaucoup. Je vous retiens vraiment toutes celles qui me mettent des commentaires, que ce soit occasionnellement ou tout le temps, bah, ça me fait vraiment super plaisir, donc je vous remercie vraiment. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous intéresser, aura pu vous donner des petites idées de déco, ou voilà, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment en la regardant. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.